De Spartacus à Batman, The Dark Knight signifie le chevalier sombre. Sombre et noir sont-ils différents? L'un fait allusion à une relative obscurité, alors que l'autre est une couleur, ou plutôt une absence de couleur. Certes, le héros Batman se revêt de noir. Est-il blanc, gris ou noir? Ses diverses aventures tissent son portrait, souvent héros, mais surtout humain. Il se débat dans un monde où la criminalité croît de jour en jour. Mais il n'est pas invulnérable. Des chiens le mordent, il se blesse en tombant car il n'a aucun super pouvoir réparateur. L'épithète de Dark Knight lui a été donnée dans le film sorti en 1986. Son modèle, la chauve-souris, est plus grise que noire. Elle paraît sombre car on ne la voit que la nuit. À sa ressemblance, Batman utilise la noirceur nocturne, l'obscurité pour combattre le mal, comme si le noir de la nuit pouvait être transmuté dans le blanc de la lumière diurne. Il est vrai qu'il a deux existences, comme la plupart des héros actuels. Une vie officielle le jour, en costume-cravate, et une vie ténébreuse de justicier, quand s'estompe le jour, avec un fallacieux habillement de super-héros frappé du seau du chiropter. Peut-on demeurer un héros ordinaire Dans la vraie vie, cela demande une bonne part d'abnégation, à moins de considérer chaque instant de son parcours comme un combat. Serait-ce l'ambivalence de son personnage Lequel est naturel et lequel paraît apprêté Il conforte l'image de l'éternel combat entre les forces obscures et celles de lumière. Mais sur ce plan-là, les super-héros ont plus d'efficacité. Il existe aussi des guerriers parfaits, mais ceux-là se battent sur des terrains dangereux. De la voie héroïque à l'archétype du héros, de multiples gradations entrent en ligne. Batman se bat à la manière des champions antiques, avec des adversaires qui sont de force égale à lui et qui savent user d'artifices pour parvenir à leur fin. Avec lui, les tricheurs ont toutes les chances de l'emporter. De multiples rebondissements émaillent les bandes dessinées. Qui saura dire si le combat de Batman n'est pas aussi vain et futile que celui de Don Quichotte dans une société en pleine mutation où la noirceur maléfique est omniprésente. La défaite du héros ou le statu quo entre les protagonistes n'encourage pas vraiment ceux qui tentent cette voie abrupte. Pourquoi défendre les couleurs du bien si le mal interfère sans cesse et si le résultat n'est ni blanc ni noir, mais dans les tons grisés il ressort de toutes ces interrogations que la voie héroïque demeure un choix et que la difficulté à s'y maintenir se situe dans la quotidienneté. Batman a encore une longue vie d'action d'éclat à mener car, comme l'hydre, ses adversaires se relèvent aussitôt, prêts à le provoquer à nouveau. À moins d'éradiquer, à tout jamais, l'un des deux antagonistes d'une lutte aussi inutile que sempiternelle. Pourrait-il y avoir une autre démarche dans la littérature médiévale anglo-saxonne, apparaît le chevalier noir. Plus mystérieux qu'inquiétant, en fait. Paré d'un noir qui n'est pas celui de la matrice ou du chaos, mais celui de l'anonymat. Au départ, ce sont des individus qui n'ont prêté allégeance à aucun seigneur. Ils n'ont pas d'armes et ne souhaitent pas qu'elles apparaissent lors des tournois. Tout combattant qui n'avait pas reçu de bannière par héritage, ni subi l'adoubement, se trouvait dans cette catégorie. Et il se vendait au plus offrant. En outre, n'ayant pas les moyens d'entretenir un page ou un écuyer, il peignait ses armes en noir, de manière à les protéger de la rouille. Dans les périodes plus ou moins troubles, le nombre des chevaliers noirs augmentait, et il finissait par constituer une menace à l'ordre social et à la féodalité. Du héros rejetant, en raison des nécessités de la vie, sa propre société à l'anti-héros incarnant le mal, il n'y a qu'un petit pas et d'aucun long franchi. Cependant, il ne faut pas écarter les chevaliers qui souhaitent, pour des raisons personnelles, ne pas jouter sous leur couleur. Ainsi, le fameux Chevalier noir du texte de Walter Scott, Ivanhoe. Ce roman, sortant des brumes écossaises, s'éloigne beaucoup de la véracité historique et met en scène des personnages tranchés, comme Brian de Bois-Guibert, un commandeur du temple. Qui correspond au mal personnifié, le chevalier déshérité, ou Ivanoé, qui lui est opposé, mais joue cependant les seconds rôles, ou encore le petit peuple vivant dans la campagne anglaise. Et surtout, un mystérieux chevalier noir. Il y avait dans la troupe du chevalier déshérité un champion en armure noire, monté sur un cheval noir, grand et, selon toute apparence, robuste et puissant, nous dit Walter Scott. Dans le Mahabharata, une famille entière s'entretue, en vain semble-t-il. Dharma, le destin, a organisé ce parcours exemplaire pour tous, à des fins philosophiques. Le guerrier Arjuna n'était qu'un pion dans la trame du drame. Comme Néo dans le Matrix, il est prisonnier, mais il accepte, certes en rechignant, de jouer son rôle. Achille, pour sa part, semble être resté dans le refus et le déni. Faut-il distinguer héros et chevaliers Il faut plutôt distinguer l'ombre de la lumière ou l'anti-héros du héros en différenciant les attitudes ainsi que les paliers. Traditionnellement, on dote le chevalier ou le héros de trois qualités. Le courage vient en premier, puis l'honneur ou la droiture. Quant à la troisième, on peut privilégier l'humilité ou l'intransigeance d'un idéal. Ainsi, Galade sert l'idéal, la pureté absolue, mais ne fait preuve d'aucune humilité, car nul être humain n'est parfait. Le justicier tel Batman a sa place dans une élite chevaleresque, défendant de nobles causes. Sachant que le héros implique un destin à accomplir, Arjuna s'y conforme en dépit de ses réticences à tuer des membres de sa propre famille. L'épopée se déroule de manière à retrouver son être véritable et profond. Il faut d'abord combattre le monstre qui est tapi au fond de soi avant d'affronter l'adversaire qui se dresse en face de soi. Il importe de ramener à la surface son propre être tout en l'enracinant à la fois dans l'histoire et l'éternité. Ensuite vient le combat dans le temps présent contre l'ennemi extérieur. Si cette confrontation est juste, Loyale, brave, elle définit l'authenticité du champion et lui permet d'accéder à une autre dimension de conscience. Cependant, il y a toujours côte à côte le héros et l'anti-héros, la lumière et l'ombre. Le héros se bat à mains nues. Batman agit ainsi, bien qu'il fasse parfois usage de gadgets qui le rendent moins vulnérable. Triche-t-il Le chevalier n'est plus seul puisque sa monture lui apporte une aide précieuse. Le cheval est un guide, l'homme conserve l'illusion de sa maîtrise. Dans le cas du char de combat, pour Achille ou Arjuna, la problématique devient plus complexe. Il y a deux chevaux, un cocher qui les conduit et l'archer qui tire au milieu de la mêlée. Et les quatre doivent agir de concert dans une maîtrise totale, la valeur du char en équilibre sur deux roues faisant la différence. Le chevalier détient une épée dont la symbolique se rattache à la lumière, à la rectitude morale et pour finir, au verbe même. Tout héros, à l'instar de Jason, s'embarque pour une traversée. Il parcourt un cycle d'épreuves en se libérant de l'être superficiel pour asseoir la force de l'être authentique. Accepter son destin constitue une règle d'or. Face aux épreuves, deux opportunités se présentent. On peut refuser et tenter d'échapper à son destin, ou l'on peut l'assumer et surmonter les difficultés. Une première étape se réalise quand on parvient à se libérer de la peur. L'exploit héroïque se définit quand la crainte ou la colère nous font sortir de nous-mêmes. Il faut alors se recentrer, ce qui permet d'accéder à un autre état de conscience transcendant. Cela, Achille n'a pas su faire, et il s'est enfermé dans sa bouderie. L'initiation permet de développer ses propres qualités héroïques. On peut également en appeler à ses propres guides intérieurs. Voilà pourquoi le chamanisme peut intégrer la voie sacrée du guerrier. Divers guides intérieurs ou archétypes se manifestent dans l'intériorité du chevalier ou du héros. Tous ont une valeur positive et une autre négative. Que serait Batman sans le Joker le champ d'action se situe toujours sur deux plans, le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Cependant, les aspects négatifs constituent à la fois des obstacles à la réalisation des objectifs et la clé de leur réussite. Tout n'est ni totalement blanc ni absolument noir. Le guerrier de l'ombre permet à celui qui représente la lumière de s'affirmer. Dans le cas de Jean Santerre, il dévoile un égoïsme et une recherche de bénéfices personnels, face auxquels Richard Cœur de Lion, bien que loin d'être un guerrier parfait, peut s'illustrer. Indubitablement, le monde actuel, ses incessants conflits, sa diabolisation de certains anti-héros favorisent grandement l'émergence de guerriers attirés par les forces régressives. Les guides sont vraiment des archétypes et de ce fait, ils existent sous forme d'énergie psychique, dans le psychisme individuel humain. Ils vivent à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce qui est encore plus important, nous vivons en eux, nous dit Carole personne dans Le héros intérieur. Chaque guide favorise une mission et propose une leçon. Et l'on en revient au périple de Jason et des Argonautes, et aux trois temps de l'action. Il y a tout d'abord la préparation de l'équipé, Ici, la confection du navire, la constitution du groupe, les sacrifices propitiatoires. Tout héros a un rôle dans l'engagement collectif et une place particulière sur le plan individuel. Puis vient le trajet et la quête de la toison d'or. Cette traversée fait émerger la véritable identité de chacun. C'est en ce point que l'on affronte ses propres dragons et que l'on surmonte, ou non, les embûches du voyage. Héraclès quitte ses coéquipiers, appelés vers une mission d'une importance supérieure. Jason ne joue pas son rôle de héros et abuse de l'amour naissant de Médée pour s'emparer frauduleusement du trésor. Un jour, il faudra qu'il paie le prix de cette ruse. Comme pour les âges de la vie, il y a finalement le retour. Celui des argonautes s'amorce avec une phase de régression. Et il leur faut effectuer un nouveau cheminement initiatique, le premier n'ayant pas été validé, en dépit de l'obtention du prix de la quête. Tout périple forme, en fait, une spirale, destinée à faire passer du déséquilibre initial à un équilibre supérieur. À côté de l'antagonisme bien-mal sur le terrain de l'action, il existe trois niveaux où l'on a l'opportunité de rencontrer un guide et trois paliers dans l'héroïsme. En bas, c'est l'ego et la recherche des avantages personnels, ce qui n'exclut pas le courage et ou d'autres valeurs guerrières. Une seconde étape se caractérise par le dépassement de l'égocentrisme et la naissance de l'altruisme. Et l'honneur intervient. Enfin, la troisième correspond à l'éclosion de la conscience transpersonnelle. Jason demeure dans une démarche qui ne dépasse pas le niveau de sa propre reconnaissance par les autres et de la reconquête d'une royauté perdue. Héraclès remplit une mission d'ordre cosmique et transcende son égo. Orphée, revenu du monde des morts, prêtre et sacrificateur de l'expédition, paraît se placer au-delà. Reste à l'âme l'objectif de se situer pour sa part au-delà du masque et du déguisement. Le double fait à nouveau surface. Qui est-il vraiment Un adversaire de chair et d'os le démon que chacun abrite en lui-même, grimé pour dissimuler son égoïsme profond. Batman ne se bat-il pas en réalité contre un autre aspect de sa propre personnalité que la fiction cinématographique part de très antagoniste. L'initiation s'impose, dès lors, pour une reconquête de sa propre unicité. On pourrait dire que, par la cèse chevaleresque, se produit une distanciation avec cette Égoïté. Distanciation faisant éclore des états de conscience que l'ancien monde assimilait à un autre corps, de nature non plus physique, bien entendu, mais subtile. Nous dit Paul Georges Sansonetti. Il convient effectivement de rejoindre l'appréciation de cet auteur à propos de la chevalerie, de son but initiatique, de sa vision héroïque de la vie. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin de héros vrais, de chevaliers émérites susceptibles d'atteindre la transcendance et de restaurer les temps primordiaux ou l'âge d'or. Ces êtres de lumière existent, même dans un quotidien dégradé et terre à terre. Il suffit de les côtoyer pour en découvrir la nécessité, l'éthique et l'impact. Le héros traverse les âges et les transcende, gagnant ainsi la renommée et l'immortalité. Il réalise, probablement l'unité. Le chevalier s'attache à une perfection qui va au-delà de la vaillance et de l'honneur. Sa quête tend vers l'impeccabilité. Le guerrier n'a plus que son courage pour survivre dans un quotidien dénudé. Batman appartient sans doute à cette classe. Il s'ensuit que peuvent être définies une voix du guerrier des ténèbres ou une voix du guerrier de la clarté. Ici s'invite Carlos Castaneda, personnage controversé dont les origines restent nébuleuses et dont la fin entraîne dans son sillage une série de décès que l'on pourrait trouver suspects. Parmi les faits avérés à son propos, citons son arrivée aux États-Unis dans les années 50 pour étudier la parapsychologie puis l'ethnologie. Son premier ouvrage, L'herbe du diable et la petite fumée, a formé le corps de sa thèse de doctorat d'anthropologie. D'aucuns le présentent, dès lors, comme un ethnologue totalement non conformiste, et d'autres comme un narrateur d'un génie prodigieux, s'il a inventé les personnages et les situations décrites. Il a commis douze ouvrages, adulés par les uns et décriés par les autres. Il aurait passé, par intermittence, une partie de son existence au Mexique. A-t-il ou non, rencontrer les curieux sorciers qu'il évoque, Don Juan, Don Renaro ou Soledad. Toujours est-il qu'il dit s'inspirer d'une tradition toltèque sans âge. Ici, les guerriers ont pour quête une liberté absolue et pour but de préserver leur conscience après la mort. Le rêve tient une grande importance dans sa démarche et il a entraîné certains de ses proches dans une dérive l'on serait tenté de juger malsaine. Un titre comme Histoire de pouvoir aborde les intéressants concepts de Nawal et tonal, ou définit sa conception du guerrier ou sorcier. Le tonal correspond à la fois à la conscience et au monde phénoménal. Le Nawal s'inscrit dans le champ d'un élargissement de la conscience. En revanche, sa définition du guerrier reste limitée. Ses qualités sont le défi, la fluidité. Il doit s'ancrer sur son tonal et l'utiliser. Dans un registre très différent, citons Shambhala, la voix sacrée du guerrier, de Shogam Trungpa. Ici est développée la pensée tibétaine sur l'éveil. Et si Carlos Castaneda s'approche quelque peu du guerrier de l'ombre, du Joker, la promesse de Shambhala ouvre un cheminement vers la transcendance. Tout débute par le souhait et donc une étape de générer une société éveillée. Et l'on part de Shambhala, où tout le groupe humain, en des temps anciens, atteignit l'éveil, ce qui eut pour conséquence que le royaume entier se volatilisa, emporté dans une sphère plus céleste. Pour boucler cette boucle, ou plutôt cette spirale évolutive, il convient de s'inspirer de la sagesse de la cité merveilleuse, de retrouver l'esprit de guerrier de Gésard de Ling, Digne héritier des rois antiques pour enfin parvenir à la racine de l'éveil.